heureux de vous présenter cette exposition sur les moulins de Meaux à l'occasion du centenaire de la disparition des moulins du vieux pont du marché. Disparition qui a été le résultat d'un incendie provoqué dans la nuit du 16 au 17 juin 1920. Cette exposition aurait eu lieu au mois de mai et se déroulait au moment de l'anniversaire même de l'incendie. Mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire et du confinement, elle a été reportée au mois de septembre et donc on l'a inaugurée à l'occasion des Journées du patrimoine le vendredi 18 septembre. C'est une exposition qui va durer jusqu'à la fin de l'année, le 27 décembre 2020. C'est une collaboration, une coopération entre la ville de Meaux, le musée Bossuet et l'association Guetteurs d'art. L'initiative de l'exposition vient des Guetteurs d'art qui sont venus nous voir, nous rappelant cet événement qui avait eu lieu il y a 100 ans. C'est vrai que les moulins de Meaux qu'on voit ici dans cette vitrine font partie du patrimoine de mémoire de notre ville, puisque le propos de l'exposition consiste à faire la démonstration que jusqu'à leur disparition, ces moulins étaient une des curiosités les plus importantes de la ville, voire même l'attraction touristique principale, dans la mesure où, par exemple, il y a plus de cartes postales portant sur les moulins de Meaux que de cartes postales sur la cathédrale, par exemple. Donc la disparition de ces moulins a été un moment très dur et une catastrophe qui a été pénible pour la population, même si aujourd'hui leur mémoire s'est un petit peu estompée. Cet anniversaire était l'occasion justement de rappeler à la mémoire de la population et surtout les jeunes publics qui ne connaissent pas forcément cette histoire, la présence de ces moulins sur les ponts et leur ancienneté puisqu'ils remontent au Moyen-Âge. Alors l'exposition est en diverses parties. On commence avec un espace concernant la presse puisque c'est à travers les éditoriaux des journaux où on s'aperçoit à quel point la disparition des moulins était une catastrophe, était considérée comme une catastrophe à l'époque. Ensuite, on a un espace très important consacré à l'incendie avec une pompe à incendie d'époque qui a servi à tenter d'éteindre le feu. Et donc, comme le propos sur l'incendie, le propos central, c'est un espace qui est un espace pivot dans l'exposition. Ensuite, il y a un espace sur la presse, un espace sur le tourisme. Et au cœur de l'exposition, nous avons cet espace qui est l'espace Beaux-Arts avec les plus beaux et les plus magnifiques tableaux qui ont été réalisés par les peintres de notre région et qui ont pris comme source d'inspiration les moulins. Alors, comme bien entendu, il n'y avait pas que simplement les moulins du pont du marché dans notre ville, et qu'il y avait une deuxième série de moulins qui, eux, n'ont pas brûlé en 1920 et n'ont disparu plus tard, qui sont les moulins de l'échelle. L'exposition se poursuit également dans une deuxième salle où on évoque plutôt principalement ces moulins de l'échelle. Je suis Bernard Doumérou, de l'association Guetteurs d'art que nous avons fondée avec M. Greza. C'est une association qui a pour but de mettre en valeur le patrimoine en perdition, je dirais, qu'il soit immatériel ou matériel, comme des peintures ou même des monuments. La preuve, cette exposition s'intéresse à la promotion, disons, des moulins de Meaux que tous les Meldois sont loin de connaître, dont ils ne connaissaient pas l'existence pour la plupart. Et l'occasion d'en parler et de les montrer, ça a été le centenaire de l'incendie terrible qui les a détruits le 17 juin dans la nuit, le 17 juin 1920. Cette exposition, en fait, elle vient de notre amour pour la peinture et la belle peinture régionale,
parce qu'on a eu quelques grands peintres à Meaux, et au cours de mes recherches, parce que je suis collectionneur aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de tableaux, de gravures, de photos, de documents qui avaient pour sujet les moulins de Meaux, les fameux moulins du Pont du Marché, qui dataient du XVIe siècle. C'est-à-dire que c'était une survivance un petit peu miraculeuse, dans la mesure où ils étaient restés, il y en avait d'autres, jusque-là, de ces moulins sur pilotis, mais ils étaient les derniers, et du coup, ils étaient à la limite les seuls en Europe et même au monde. Du marché remonte à très loin dans le temps, à Meaux, puisque on recense un premier moulin, un farinarius, qui a été érigé au 7e siècle, et ça on en a une preuve, même si c'est pas complètement attesté, dans le testament de Sainte-Phare. Bon, par la suite, on pense qu'il y a eu également des moulins à partir du 11e et 12e siècle, qui se sont adjoints au premier moulin. Mais par contre, les moulins qui ont brûlé en 1920 ne datent pas du 11e, 12e siècle, puisqu'il y avait eu un premier incendie le 2 novembre 1567, sous Charles IX, en pleine guerre de religion. Et à partir de là, les moulins avaient été reconstruits. Et c'est ainsi qu'on a pu retrouver des moulins intacts du XVIe siècle en 1920, au moment où les moulins de Meaux ont brûlé. En tout cas, les moulins du Pont du Marché. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait aussi notamment les moulins de l'Échelle. Mais les moulins de l'Échelle, ils avaient déjà subi un incendie en 1832. Et ils avaient été complètement reconstruits comme on le faisait au XIXe siècle, et non pas comme ils étaient à l'origine. Donc les seuls moulins qui étaient restés intacts et qui ressemblaient un peu à des moulins d'époque médiévale, c'était les moulins du Pont du Marché. Et on a notamment Eugène Viollet-le-Duc qui se félicitait en 1863, quand il a recensé les bâtiments historiques pour Napoléon III, de la magnificence et de l'authenticité de ces moulins à Meaux. Donc là, le but, c'est de faire renaître les moulins et de... Moi, mon ambition, ça serait que chacun passant sur le Pont du Marché puisse ne pas passer sans imaginer leur silhouette. Parce qu'ils ont... Il y avait une silhouette énorme, immense, une emprise à peu près aussi grande que la cathédrale de Meaux. Et donc maintenant, que tous ceux qui se promènent ou qui passent sur le pont puissent imaginer ces moulins et les faire revivre en imagination. Alors là, on a un tableau de Fernand Pinal de 1913, donc, qui est un caractère emblématique dans la mesure où et c'est lui qui fait la promotion de l'exposition, puisqu'il a été choisi pour l'affiche et pour le dos de couverture de l'ouvrage qui accompagne l'expo. Il y a une mention intéressante qui n'a pas été retenue, c'est que c'est un tableau qui a été exposé au Grand Palais en 1936 lors d'une exposition qui s'appelait « 30 ans d'art indépendant ». Donc il a eu les honneurs du public parisien. Ici, on se trouve devant deux tableaux intéressants à plusieurs titres. C'est parce que celui-ci, en particulier, il condense trois éléments, trois monuments
qui était bien connu à Meaux à une époque pas très reculée. C'est la fameuse passerelle qui reliait la ville au marché, une passerelle piétonne. Les moulins de l'échelle qui ont survécu au moulin du pont jusqu'en 1946. Et ici, les fameux moulins du pont ou du marché, comme on les appelle. Avec une vue de la Marne intéressante, puisque je crois que certains tableaux du même sujet ont été intitulés « La baignade des chevaux ». Oui. Et c'est, ici, on est sur la même vue, mais la passerelle est mise en évidence. Elle est animée, c'est assez sympathique de voir les personnages qui vont sans doute au marché, c'est peut-être un samedi matin, avec toujours le lit de la Marne asséché de ce côté-là. Mais c'est un très beau tableau qui fait penser un peu au peintre Caillebotte. C'est faire beaucoup d'honneur à Lepreux, c'est un tableau de 1900, mais c'est vraiment une réussite. L'incendie des moulins intervient dans la nuit du 16 au 17 juin 1920. Alors, il faut savoir que les moulins, à la base, n'avaient pas tous bonne presse chez les gens, parce que chez les Meldois, ils pouvaient bloquer la navigation sur la Marne, ils pouvaient aggraver les crues, notamment en 1910. Mais toujours est-il que lorsque les moulins ont été incendiés, ça a eu un retentissement terrible, parce qu'il faut imaginer que les Meldois revenaient d'un cirque très populaire à l'époque qui avait été joué à Meaux, et ils ont vu l'étendue de la catastrophe, les flammes qui montaient à plus de 60 mètres de haut, la hauteur de la tour de la cathédrale Notre-Dame Saint-Étienne. Donc c'est véritablement très spectaculaire. On peut dire en fait qu'à l'époque, les Moulins de Meaux, qui étaient une attraction touristique bien plus importante encore que la cathédrale elle-même, avait eu, on va dire, ça avait été un véritable choc traumatique pour les Meldois et même pour la France entière, un petit peu comparable à ce qui s'est passé pour Notre-Dame de Paris lorsqu'il y a eu l'incendie l'année dernière. Il faut imaginer ça. Et là, on voit très bien que les flammes étaient très spectaculaires. Et on voit très bien les dégâts qui ont été causés au moulin. Et on peut comprendre d'ailleurs qu'il y a eu autant de dégâts. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pompiers n'étaient équipés que de pompes à bras qui dataient de 1830. Alors qu'on était en 1920, c'était des pompes à bras qui avaient presque un siècle. Et il n'y en avait que 5. Et on peut comprendre qu'ils n'aient pas pu maîtriser ce feu, ce feu terrible qui a ravager les moulins du bout du marché, presque. Et ça s'est fait ressentir au niveau de la presse, qui a fait énormément de tirages. Ça a véritablement fait la une des journaux. Le Courrier de Seine-et-Marne avait titré « Un désastre ». Donc ça a véritablement été l'événement de cette période de l'année. En 1920, le 17 juin 1920, tout le monde parlait de l'incendie terrible des moulins du pont du marché.
Ici, dans cet espace incendie, on a deux tableaux qui sont très émouvants et qui sont en même temps des documents uniques. La gouache de Charles Roussel, qui l'indique-t-il, aurait peint à 3h du matin, le 17 juin 1920, au plein moment de l'incendie. Je ne pense pas qu'on puisse le croire. Il a vraisemblablement traité d'imagination peu de temps après, mais sans doute pas pris sur le vif. Mais en tout cas, elle résume quelque chose d'essentiel. C'est l'ampleur de l'incendie et l'attitude des Meldois qui sont sidérés et complètement effrayés par cet incendie qui voit détruire le patrimoine populaire qu'ils connaissaient bien et qu'ils aimaient, parce que je pense que ces moulins, ils étaient presque considérés comme des êtres vivants et des amis. Autre témoignage pictural essentiel, c'est ce petit tableau modeste que Fernand Pinal a peint le lendemain de l'incendie. Je pense que ça montrait que l'un et l'autre, Charles Roussel et lui, étaient très attachés à ces moulins et ils ont voulu laisser un dernier témoignage de leur destruction. Alors là, on a vraiment quelque chose encore d'extrêmement émouvant et d'incroyable. C'est presque un miracle, si on peut dire, que ces photos de l'incendie aient pu être prises. En fait, elles ont été prises par Madame Julie Profit-Méret, qui était propriétaire du troisième moulin. Le troisième moulin, on l'a ici. Et quand elle a su que son mari a été prévenu du drame et de la catastrophe, elle s'est mise à la fenêtre de sa maison et elle a eu le temps de faire 4 clichés et puis le lendemain matin un dernier sur les restes de l'incendie. Et ce tableau est vraiment incroyable parce que ce sont les tirages d'époque et c'est elle-même qui les a encadrés et conservés. Et au dos, elle a noté le nom des propriétaires de tous les 5 moulins. Je pense qu'on ne peut pas parler de l'expo sans l'associer à l'ouvrage qui a été conçu au même moment, avec une partie d'ailleurs des documents exposés, mais ça va au-delà. Il y a des documents qui ne figurent pas dans l'exposition, et l'intérêt, bien sûr, de cet ouvrage, ce n'est pas strictement parler un catalogue, c'est un livre qui fait suite à celui, on pourrait dire, à celui de M. Gassy, Georges Gassy, historien, qui avait fait, il avait écrit en 1927. Donc, si vous voulez, ça fait 93 ans qu'il n'y avait pas eu de livre sur les moulins, et là, c'est beaucoup plus, c'est pas historique, c'est beaucoup plus anecdotique, c'est l'histoire de l'incendie et tout ce qui peut s'y rapporter, notamment la façon dont les journalistes et les Meldois ont réagi en se rendant compte qu'ils perdaient plus qu'un ensemble de moulins, mais ils perdaient des amis très chers. Donc l'intérêt, c'est que l'exposition, hélas, même si on nous a déjà demandé de la prolonger, l'exposition, hélas, va se terminer le 27 décembre. Heureusement, je pense que c'est le bouquin, lui, il va perdurer et il va pouvoir garder la trace et la mémoire de ces moulins. Très bien. Et où est-ce qu'on peut trouver le livre et... Alors, bien évidemment, le livre est en vente sur le lieu de l'exposition, au musée Bossuet. Mais il sera aussi diffusé, il sera proposé pour tous ceux qui veulent le commander par l'association Gutterdam, mais je pense qu'on va aller plus loin et qu'il sera proposé à la librairie, par exemple, ça y est, le nom m'échappe,
Le Monde d'Arthur. Oui, à la librairie Le Monde d'Arthur, et même peut-être dans les grandes surfaces de Meaux et de la région.